Bonsoir à toutes et à tous, c'est comment? J'espère que vous allez bien. C'est toujours votre Gada Gada, le Chocoto, le Kaka, le Kagoule, le Strepagno, le Aipopo Chambellino, l'homme qui vous défend toujours quand on parle mal de vous et qui parle de vous quand on vous oublie. Vous connaissez? Voilà, aujourd'hui, encore parler. J'ai parlé. Vous connaissez, non? C'est le Kaka, le Kagoule, le Kayo Pompla. Et si tu as vu une vidéo de Zaka Bambo, dans ce monsieur, il n'a pas beaucoup parlé. Hein. Je vous laisse regarder la vidéo. Et à la fin, moi, j'ai dit mon mot. Écoutez. Je fais des top lines. Je fais plein de trucs. Et même la chanson, tout récemment, de César et Mike Flame. C'est moi qui l'ai écrite, cette chanson. Tu vois un peu. Donc, dès que j'ai une composition, j'appelle César. Je lui dis, voilà, j'ai une composition comme ça. Tu vois, elle me dit que ça va pas. Je lui ai envoyé le test, les paroles, tout, il a posé. Il m'a dit, je dis, bon, tu peux faire ça avec Mike Flame. J'ai contacté Mike Flame. Je dis, j'aimerais que tu fasses un truc avec César. Il a dit, oh, j'ai pas un jeu. Je lui ai dit, ah, gars, il faut faire avec. Mike Flame est allé, il a posé, tac, 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 tac. On a parlé, nanani. Mais est-ce que quelqu'un sait? Moi, j'ai fait beaucoup et on va même pas en parler. Je suis comme ça, en fait. Moi, ça commence à me saouler, en fait, ce comportement, cette mentalité des Togolais qui ont la méchanceté envers les gens pour rien. Et comment vous voulez que le pays change? Le pays ne peut pas changer. Ça peut jamais changer. Si vous voyez, tous les artistes vont aller faire la campagne pour les gens de unir ou bien quoi là. Mais c'est pas rapport au pays. C'est parce que ça ne va. Tu vas être contre unir et puis chanter au Togo. Tu vas manger quoi? Pourquoi aller faire ça? Tu vas manger quoi? Essaye. Et là maintenant, la population sort encore pour dire que ouais, les artistes traitent. Mais vous savez très bien entre vous, vous tous, vous savez très bien que tu vas être au Togo et puis chanter contre unir et tu vas rester, tu vas percer où? Déjà même que tu ne chantes même pas contre le truc, même ça ne va pas. Et puis là, tu chantes encore contre eux. Mais fais ça, tu vas voir. Tu vas apprécier. C'est ça l'hypocrisie de la population. Ils savent très bien comment le pays est. Les artistes olo afu benare yo tochare a ne le ba chiro de nya keke minya vo ami baba sonya o le ba be artiste très tôt. Mais vous savez très bien, bon, chante contre l'unir, on va voir. Donc koko be dara e ni a da kame la vidéo a on to la se gomi Zaka Bambo toi aussi. Non, des fois même moi je te comprends plus, hein. Oui, Didi, il ne te comprend pas. Zaga, c'est Zema là. Hein? Nous, ça y est, tu as prouvé. Tu as tout prouvé. Si, ça y est, dans la musique, dans le showbiz du pays, dans le showbiz là, toi, tu as tout prouvé. Tout le monde sait. Même un enfant qui vient, qu'on a accouché aujourd'hui là, même si l'enfant là, hey, grandit quand a peut-être 6 ans, ça y est, on accouche l'enfant aujourd'hui. C'est 6 ans après là. On lui demande, est-ce que tu connais Zaka Bambo là? L'enfant là ne va pas nous dire que lui, il connaît pas Zaka Bambo. La femme va connaître Zaka Bambo parce que tu as tout prouvé. Tu as prouvé, Zaka. Est-ce que toi, tu es obligé de nous faire savoir que la chanson César featuring My Flame, la prière là, que c'est toi qui as fait la composition? Est-ce que toi, tu es obligé de nous dire ça? Tu n'es pas obligé. Sinon, en temps normal là, écoutez-moi bien, les gars. Ceux qui vont tomber sur cette vidéo vont dire que, oh, toi, Gada, tu aimes tout parler, tu aimes tout mettre la division, les amis, tu aimes tout faire que c'est rentré, qui c'est sorti ici. Laissez ça. Quand on vous dit la vérité, vous êtes fâchés. Vos narines, là, vous gonflez ça maintenant sur les gens. C'est quoi? On vous dit la vérité, là. C'est maintenant que vous venez, vous ouvrez vos narines sur nous. Moi, je vous dis la vérité. Si vous êtes fâchés, vous êtes fâchés. Maintenant, si tu es trop fâché, même là, si tu tombes sur mes vidéos, ne regarde pas. Hein, vous dis la vérité, vous êtes là-bas, vous fâchés. Bon, bref, je reviens. Aujourd'hui, Zaka Bambo nous dit que c'est lui qui a fait la composition de la chanson sans affecturer My Flame. Que tout là, c'est lui qui a fait la composition. C'est-à-dire, la chanson a été écrite par Zaka Bambo. César, elle est venue juste interpréter. Voilà. C'est ce que Zaka Bambo est en train de nous faire savoir dans cette vidéo. Zaka, est-ce que toi, tu es obligé de nous dire ça? Si ça là, normalement, on devait nous dire ça là, vous allez voir dans les commentaires, dans la description de la vidéo là. Quand César va publier la vidéo là, ils vont mettre interprète César et puis compositeur. Ils vont mettre Zaka Bambo là-bas. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez Willy Bénédiction? Est-ce que vous connaissez Willy Bénédiction? Vous ne connaissez pas. Allez-y sur YouTube de Roselyne Layo. Allez-y. Prenez une seule vidéo de Roselyne Layo.
C'est la vidéo qui a fait bruit. La première vidéo de Rosine Layola. Prenez la vidéo et puis allez dans la description. Vous allez voir, ils ont mis là-bas composition Willy Bénédiction. C'est-à-dire, si Willy Bénédiction se lève aujourd'hui et puis il nous dit que la chanson de Rosine Layola, c'est moi, Willy Bénédiction, j'ai écrit la chanson, c'est ici, là. Rosine Layola, même là, elle ne va pas parler. Parce qu'elle-même a déjà parlé. Ils ont mis. Tout est sur Internet. Maintenant, allez-y sur ces voix, si vous allez voir tout ça là. Zagabam, bon, ça, c'est pas. C'est une manière, moi, j'ai trouvé que c'est une manière de venir rabaisser César. Tu veux nous faire croire que César, elle ne peut pas composer test. Elle-même, là, elle ne peut pas composer. C'est quelqu'un qui doit la composer test. Et puis, elle, là, elle va interpréter, elle va chanter. C'est ce que toi, tu es venu nous faire croire. Si demain, quelqu'un rentre en classe avec César et puis on lui traite du n'importe quoi, on dit, hey, attends d'abord, quand c'est des chansons, toi là, on ne te considère pas comme artiste d'abord. Parce que toi là, on compose un morceau pour te donner, puis toi tu chantes. C'est non seulement toi tu as. Ça là, qui a causé ça? C'est toi, Zagabobo, qui a causé. Mais tu ne regardes pas ce côté. Hein? Tu n'as pas regardé ce côté. Oui, parce que nous, on connaît des artistes qui chantent quand on écrit les chansons pour eux. On connaît, ils sont beaucoup. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de, comment on dit, la fille qui est décédée au Ghana là, Ebony Reigns. La fille là, tous les morceaux, que la fille là a chanté avant sa mort, après, jusqu'à il est parti, il a quitté la terre là. Ça a été écrit par un monsieur qui s'appelle Bullet. Quand il rentre sur ces chansons là-bas, là, on écrit ça dans la description aussi en même temps. Maintenant, pourquoi toi, Zagano, quand tu fais ça aux artistes, tu sais que c'est ce que toi tu fais, tu dis, tu as fait ça à plein d'artistes au Togo. Et qui sont en vogalais là, tu as fait à plein d'artistes qui sont en vogalais. Pourquoi eux ils font pas ça? Pourquoi eux ils mentionnent pas ça si dans leur truc là? Et puis nous on va voir que ah, Zagabambo lui chante plus maintenant, mais dans l'ombre là lui il fait quelque chose. Hein? Donc respectez Zagabambo. Nous on va te donner aussi ta place de ce côté. En tant que toi, tu viens nous montrer sur internet que toi tu es trop professionnel. C'est toi le papa même. Zaga, pardon. Il y a un moment donné il faut arrêter. Oui. Il faut arrêter. Et c'est pas contre toi. Hein? Et c'est pas contre toi. Des fois, même là, s'il y a un débat, restons dans le débat. Tu parles, mais tu n'as pas besoin de nous prouver quoi que ce soit. Parce que nous tous, nous, on sait que tu as. Moi-même, Gadagadaïmo, je sais que toi, Zagamo, tu as déjà prouvé. Tu as prouvé beaucoup de choses. Et t'aimes bien, champion. C'est vrai que toi, tu m'as bloqué. C'est pas parce que tu m'as bloqué ici, devenu ton comment on dit, ton ennemi. À chaque fois que tu fais quelque chose, il doit trouver du mal dedans et puis pour te parler. Là. Non, c'est pas ça, hein, Zaga. Moi, une fois, moi là, et après moi, j'ai fait une histoire pour vous raconter l'histoire Zagababo et puis le Gadagada. C'est-à-dire, si le jour où toi et moi, on va se raconter, et c'est que toi-même, tu as dit que, ah, mon fils, non, tu n'as pas croire. Tu n'as pas croire. Hein? Tu veux histoire, Zaga? Je te fais histoire aussi. Toi aussi, c'est que tu as histoire. Maintenant, nous aussi, après là, nous aussi, on va te faire histoire. Voilà, Zaga, c'est ce que moi, j'ai trouvé. Dans les propos de Zagababo. Maintenant, ce que vous aussi vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais je vous laisse écouter et la deuxième partie de son intervention, en fait. Mentalité, elle doit changer. Combat, tu te banques et Emile Wano. Hein? Parce que les mentalités nous changent. Hein? Elle est américaine ou pas? Elle est adamantore ou pas? Le monde, on le signe au monde. On s'en coûte ou pas? Quand tu contournes le français, on est bien. Mais mes deux vont donc la tête dans le sud de la dia. Zaga, toi, il y a des gens qui ont le droit. Ah, regarde pas les vieux, quand tu. Quand tu as dit le fond, il y a ça dans le cours de Krangadi. Dans le cours de Krangadi. Il y a quelqu'un qui est philosophique. Daniel, je ne sais pas pourquoi tu philosophies ici. C'est pourquoi. Dans le cours de Krangadi là. Mais tu t'en vas avec Krangadi là. Le cola fait. Voilà. Et bon, on l'a pas imaginé quand tu codes le fond, que le cravate codes le naïf fond. Yo, le haut, le cibé, au niveau du président, le tout le monde est imaginez. Imaginez, on va donner le mot dit, un produit est tabonné de bon les yeux. Bon, sans que tu m'en les donner. Bravo, tu m'en es au carré de la dire. Et bien, on est là vraiment. Et bien,
Mais quand caméra, mais au micro, toi, mais il y a caméra, il vit là, mais ouais. Avion, nous, avec population, nous connaissons la constitution. Nous connaissons le ministre de la culture. Nous connaissons le ministre du développement. Nous connaissons le ministre de Biaobede. Nous connaissons le ministre de Biaobede. Nous connaissons le étudiant. Si vous vivez, on est bien venu. Nous connaissons l'Europe. Nous connaissons l'Europe. Et bien là, c'est bien Afrique, mais là voyager l'Afrique, mais Afrique, mais bien là Europe, et bien Canada, c'est bien il y a quoi le bien il y a beaucoup de blocs. Bon, à mon nettoie, jeune fille. Mais eh bien accoutrement, toi tiens très sexy, stylé. Ok, assure nous Amérique qui continue ça. Alors ils m'ont dit, alors bien y a moi, n'a pas là. Eh bien les gars. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Vous connaissez, non? C'est toujours le Chocoto. Maintenant, là, je vais vous forcer de vous abonner maintenant.